Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan 2023. Je viens de faire mes calculs, de sortir un peu tous mes bouquins. Hein, voilà, ça va être sympathique à filmer, wow, ça va être cool. Il va y avoir plein de montage parce que je vais essayer de vous montrer les colos mois par mois parce que sinon ça va être l'horreur. Parce qu'il y a certains livres que je vais devoir reprendre parce que j'ai fait plusieurs colos dans l'année de l'eau. Donc tout d'abord, j'ai fait en tout 130 colos sur l'année, sachant que j'ai vraiment compté que ceux que j'ai notés, parce que ça se trouve, il y en a quelques-uns qui ont dû passer à l'as. Voilà. Mais bon. Donc, 55 Disney, donc 4 mystères. Ça fait pas beaucoup de mystères, hein, franchement. Et 75 colos hors Disney classique. Donc, en janvier, j'ai fait 8 colos. Février, j'en ai fait 9. Mars, j'en ai fait 10. Avril, 10 aussi, mai, 10 aussi. Voilà. C'est une moyenne, hein. En juin, j'en ai fait 20. Truc de fou, parce que je venais de me faire opérer, je pense. Donc, je faisais que colo, en fait. Alors que j'avais pas forcément le temps. Voilà. Juillet, 15 colos. Août, 13. Septembre, j'en ai 11. Et octobre, j'en ai que 3. J'en ai noté que 3. Donc, à mon avis, il doit m'en manquer sur le mois d'octobre. J'ai pas été assidue et je les ai pas notés, je pense. Parce que je sais pas si je vais regarder. Ah oui, c'est ça aussi, j'ai pas de vidéo terminée pour le mois de septembre, octobre, me semble-t-il, sur la chaîne. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai fait pendant ces mois-ci, mais voilà. J'ai pas retrouvé les vidéos, je sais pas. J'ai dû oublier de les filmer, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, de toute manière, vous verrez les colos là. Parce que là, je vais essayer de vous montrer tous les colos de l'année 2023. Accrochez-vous, prenez un petit snack, une petite boisson chaude. Donc octobre, j'avais dit 3 colos, c'est ouais, ça me paraît vraiment bizarre. Novembre, 10. Et décembre, 11. Donc vraiment, à la moyenne, j'en fais 10 par mois, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Je pense que cette année, il y aura moins, si jamais je viens à retrouver un travail ou quoi. C'est normal. Donc, mais c'est pas grave. Donc, on va attaquer. Accrochez-vous. On va passer en plan bureau. Donc, tout premier colo que j'avais fait dans l'année, c'était dans le petit carré Mickey. C'est lequel? Ah bah d'accord. En plus, j'ai pas noté lequel. Ah, le trio, c'est peut-être celui-là. C'est celui-ci, celui qui m'a bavé partout. J'en avais plein à l'arrière. Du coup, ah bah mince, ma caméra, elle... voilà. C'est sympa, mes caméras, elles veulent pas aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elles ont, mais elles veulent pas. On va débrancher, rebrancher. Voilà. Donc, ce petit trio-là, fond supervision. Et ouais, ça avait bien transpercé. J'avais vachement mouillé. Enfin, bref. Allez, le masquage, j'avais utilisé le Dalbe. Il est ouf, le gros, là. Et il est jaune fluo. Et c'est pas ouf. Enfin bon, bref, si je vous détaille tous les colos à chaque fois, ça va être une vidéo super longue. Donc je vais juste vous montrer les colos et basta, je pense. Hein. C'était celui-ci en janvier. Hop. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Mon petit dingo qui est où? J'ai vu la page là. Dingo dans le Art Déco. Ouais, Art Déco tome 2. Je m'étais vachement amusée. Donc, ouais. Je vais peut-être vous reculer aussi, ça peut être bien. Ah, ça peut être bien. Ah, remonte aussi, merci. Hop là. Donc lui, c'est good. Ensuite, on avait la poupée dans le Midnight Mascarade. Ah non, c'est celui-ci. Mais je ne l'ai pas noté, j'ai pas fait. C'est bizarre. Bon, il doit être plus loin alors. Parce que j'ai fait celui d'à côté en même temps. Vous voyez, je ne l'ai pas noté. Vous voyez, ça en fait déjà un en plus là. Parce que j'ai fait celui-là en même temps, vu que j'avais fait le fond. Bon, je l'avais peut-être fait en 2022. Mais... Ah oui, je l'ai fait en 2022, donc il compte pas. Donc celui-ci que j'avais fait. Hop! Ensuite, j'avais fait un PDF Barbie. Voilà, c'était pour le challenge de Kili. Kili, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Voilà. Donc,
faudra que je le rattache dans la chambre de Jade après, sinon je vais faire crier. Ensuite, c'était le Luna, le challenge de Zizyak, le néon. Je l'ai vu, il est là. Celui-ci. Bah, ensuite, on a commencé le. Celui-ci est arrivé, donc j'ai fait réponse. Puis j'ai fait Mulan. Voilà. Pour le mois de janvier. Voilà, on est bon. Donc là, je coupe et je mets la suite. Après, en février, donc j'ai fait ça. Voilà. J'avais fait en live, j'avais commencé les lives, je pense. Avec ça, je me semble. Si je me souviens bien. Ensuite, j'ai fait un PDF. Enfin, pas censé être un. C'est dans le Fairy Fantasy 2. Mais je l'ai fait en. C'est celui-là. C'était pour. Ah, c'était pour qui? Si, c'était pour Gaïoul. Pour Gaïoul. Hop. Ça c'est bon. Ensuite, j'ai fait la witch dans celui-ci. Celle-là, je pense. Pentel hybride, Yennefer. Ouais, Fayette Libre, c'est celui-ci. Je l'ai adoré celui-là. Hop. Ensuite, Winnie dans le vitraux. C'était un trio. Alors, où est-il? Trio. Si, je crois qu'elle l'a enfin terminé, ce rêve. Je sais plus. Je sais même pas si on l'a posté. Franchement, enfin, je sais plus. Si, je crois qu'on l'a posté. Et où es-tu, Winnie? Il est là. Voilà, le beau Winnie que j'avais fait avec Taz et ce rêve, normalement. Taz, c'est sûr, ce rêve, je sais plus. Oh, le bordel. Ensuite, le Witch Cat. Ah oui, le raté. Le raté de l'année. Il est moche, mais alors qu'il est moche, ce colo. Oh, faudrait que j'essaye de le refaire, en fait. Que je voie avec. Je pense que serait elle là qu'elle me l'envoie. Hein. Parce que je le refasse, il est vraiment laid. Mais laid. Oh, l'horreur. Ensuite, j'ai fait Bambi dans le mystère Love Story. Voilà, j'ai fait celui-ci. Ensuite, le Saquem, j'ai fait celui-ci. Je me souviens, j'étais en live. Ensuite, j'ai fait un petit marque-page. Je suis pas sûre de retrouver tous les marque-pages, par contre, parce que voilà. Donc j'avais fait celui-ci. Ensuite, on arrive à la fin du mois de février. J'ai fait Cathy Cat. Voilà, pareil, celle-ci, je l'avais fait en live. Tic-tic. Voilà. Hop. Allez, je suis repartie à la pêche au colo. Oh là là. Oui, je m'étais arrivée au mois de février. On attaque le mois de mars. Oh là là, je suis déjà perdue. Je vous jure, ça va être épique. Donc dans le vintage, j'ai fait quoi? Mickey and Friends. Ah oui, je l'avais fait en live. Il est là. Normalement, vous retrouvez toutes les vidéos de live en replay sur la chaîne. Je ne sais pas à partir de quand j'ai fait ça. Ça se trouve, j'en ai peut-être perdu quelques-unes de vidéos. Je sais plus. Donc lui, c'est good. Ensuite, la fleur dans le Midnight Mascarade. Fleur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Voilà. Le Roxy Rookie dans le BFF. C'est le seul et unique colo que j'ai fait dans celui-ci. Il me le fallait absolument celui-là. Pareil, je l'ai fait en live aussi celui-là. Hop. Ça.
dans le petit bête de Will Silverman. C'était encore avec les bruits de fenêtre aquarellables. Les chiots dans le petit carré bébé animaux. Est-ce que c'est ça? Celui-ci. Voilà. Dans le doodle invasion, j'ai fait celui-là, donc de Kirby Rosan. Celui-là aussi, il me fallait à tout prix. Hein. Ensuite, dans le grand carré, grand classique, j'ai fait La Belle et la Bête. Pareil, ça peut être en live. Sais qu'il est dans le coin. Voilà. Voilà pour lui. Chitou qui se casse la gueule, c'est magnifique. Ensuite, un duo avec July, Mulan et son papa. Non, c'est pas lui. Ah, where is Mulan? Where are you? C'est pas celui-là. C'est peut-être le livre où je suis le plus allée cette année. Non, non, ça peut pas être celui-là en fait, je suis bête. C'est celui le Taz et ses mignons. Donc voilà, Moulin et son papa. Celui-là, je vais le garder parce que j'en avais fait deux dans le mois. Papillon dans le Forest Kingdom. Un pipillon. Ah, des pipillons. Et celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Avec le glossy et tout, j'avais choisi l'orphelette. Et du coup, après, nous avons Frère des ours pour le Blue Link. Je l'avais dit au début. Là. Voilà pour le mois de mars. On attaque le mois d'avril. Alors, faut que je reprenne mon truc. C'est physique, hein? Donc là, on avait commencé du coup au mois d'avril le Taz et ses mignons. Donc on avait fait Tilt. Celui-là, je vais le laisser de côté du coup, parce que je vais le ressortir. Ensuite, j'avais fait un duo avec Hello, qui a changé de nom depuis, je sais plus. Je suis passée, je les ai vus. Non? Where is my nain? Faut que je le couvre, celui-là. Ah, ils sont là, mes nains. Voilà, la double page, non. J'ai tellement apprécié l'affaire. Pareil, elle a été faite en partie en live. Les faire les 7. Donc le mytho, c'est bon. Dreamify, je l'avais acheté un duo. Hop. Et je me souviens que Bella m'a chopé et l'a griffé, et du coup, elle m'avait troué la page. Mais je vais pouvoir le refaire dans le Wallflower. Je vais pouvoir la faire différemment. Donc. Voilà. Ensuite, vas-y, c'est mignon. J'ai fait Jafar le cafard. Voilà. Mélo, je pense à toi. Ensuite, on a commencé du coup le Pokédex, le Pokéfil de Meloria. Donc avec cette première page Bulbizarre. Voilà. Pareil, je vais le laisser de côté parce que je vais le ressortir souvent. Ensuite, j'ai voilà. Par rapport à une roulette, hein, Kalina, merci. Alors, j'ai dû faire une Alice, voilà, mais j'ai raté le fond. J'ai fait un truc dégueulasse. Voilà, je le déteste. Voilà, deuxième colo moche de l'année. Voilà. Est-ce qu'il passe en première place ou en deuxième place? Non, quand même deuxième place.
Voilà, le top 1 de la mochitude, c'est le boule de poil. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce petit colo dans le... Je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai fait Sabrina dedans. C'est la dernière, là. Voilà, j'ai fait Sabrina. Je sais que je vais devoir le ressortir, donc je vais les au côté aussi, celui-là. Ensuite, j'ai fait le Lapinou de la Saint-Patrick de Mariola Budek. Celui-ci, du coup, je vois qu'il y a un Oriart qui traîne, donc c'est que je l'ai fait avant lui. Mais du coup, je vous ai montré le Belove, donc j'ai dû le faire entre deux, mais je ne l'ai pas noté celui-là. Donc c'est voilà, un colo que j'ai oublié de noter. C'est un Oriart, me semble-t-il, je ne sais plus. C'est de la I, mais j'avais bien aimé le faire quand même. Mon petit lapin Mariola Budek. Aussi, je vais te laisser là parce que je vais te ressortir. Ah, le Vaiana dans l'histoire éternelle. Quelle grande histoire ce colo. Non, pas là. Avec tous ses traits. Mais je l'aime bien quand même, hein, mais voilà, avec ses feuilles de Monstera qui sont pas dans le bon sens. Enfin, on se voit très bien qu'elle n'est pas dans le bon sens. Celle-ci, elle est censée être dans l'autre sens. La tige, elle est là. Mais non, ça fait des copier-coller, et puis vas-y, que je t'en mets, puis voilà. Voilà, ça c'est le cas de saison. On va mettre un truc, ça va bien, ça fait Halloween, donc on va mettre le truc. Ah, allez, on le met, on le met, on le met. Bref, voilà, vous avez compris, je n'aime toujours pas le cas de saison. Du bien de le dire. Mais voilà, donc le petit Vaiana. Oui, ça va être éternel, il faudra peut-être qu'elle le ressorte quand même, aussi. Mais bon, ça va finir par se casser la binette, donc... Ensuite, dans le Atelier Teens, le 40 scènes mythiques, j'ai fait le petit Pinocchio. Je l'ai fait en live celui-là, je me souviens. Ça brille, ça brille, ça brille. Oui, ça brille. La meuf, elle va péter un câble ici, la fin de ce bilan. J'ai déposé le bilan, moi. Hop, alors on a fini avec le mois d'avril. Il faut que je vais le chercher, l'île, pour le mois de mai. On en est qu'au mois de mai, les gars. Punaise, j'en peux plus. Pourquoi j'ai fait cette... Pourquoi je me suis mis à faire cette vidéo? Je ne sais pas. Le mois de mai. Petit carré portrait où j'ai fait Clochard. Voilà. L'île de gesso noir. Elle est paillarde. Voilà. Pilou poupou. Ça, c'est good. Ah, ensuite, je l'ai noté, mais en fait, je l'ai pas fini. Donc, pour celui que j'ai oublié, bah voilà. Parce que c'est le colo de la mort qui tue que Mélo a choisi avec ses points de chaîne. Voilà. Comment vous dire que je ne l'ai pas forcément bien bien avancé. Voilà. Donc là, je le ressors, ça va être l'occasion d'y remettre le nez. Donc imaginez, je l'ai commencé en mai. Voilà. Mais vu qu'il est le livre est très grand et il a été placé dans le mauvais sens dans le bouquin. Merci à Chéti Rose encore en passant. Cœur sur vous, hein? Voilà. Bah c'est la merde. Voilà. Donc ouais, il faudrait que j'y retourne. N'est-il pas? Donc on va essayer de se le mettre voilà, de côté et non pas profond. Voilà. Oh là là. Ensuite, passons. La dryade que j'ai faite avec Kili. Elle est où? Where is the dryade? Elle veut pas sortir. Elle veut pas se montrer. Elle a peur parce que elle est ratée, la dame. Je l'ai ratée. Je ne l'aime pas forcément. Voilà. Je l'ai vue. Voilà. Elle est là. Pareil, mon orque Barbie, je l'ai fait quand? Ça datait de l'année d'avant. Mon Barbie. Franchement, je sais pas, je les note. Je note pas la date sur mes livres de colo. Je le fais juste sur mes PDF. Donc voilà la dryade que j'aime pas forcément parce que je trouve qu'elle ressort pas. Je l'ai contourée, mais j'aurais pas dû la contourer avec un truc clair. J'aurais dû la contourer avec un truc plus foncé. Je pense. Mais ouais, je suis pas. Je suis pas comme une dingue sur ce colo. Voilà.
Et du coup, je suis pas retournée dedans, je crois, depuis. Ensuite, la reine Grimhilde dans le petit carré art déco. Elle est là, Grimhilde. Voilà. Et là, ouais, j'aime bien me lâcher au niveau paillettes. Voilà, j'aime beaucoup. Pareil, il faut que j'y retourne plus souvent dans ces trucs parce que c'est trop cool. Voilà, on adore. Ça va vite. On aime bien. Donc, lui. Oh, les petits. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, j'ai fait la page de sirène dans le Milan Mascarade en duo avec Princesse. Hein, j'avance mes Anna Carlson avec Princesse. Et c'est dans celui-là. Sirène dans le Milan Mascarade. J'y crois pas trop. Hein. Ah, si. Ils sont là. Et pareil, j'ai kiffé les faire. Ça a été en bonne partie en live, me semble-t-il aussi. Donc, voilà. C'est mes livres qui avancent le plus, hein, le Forest Kingdom et le Milan Mascarade, grâce à Princesse. Franchement, un gros merci à toi. Parce que bah, on en fait un par mois. Il y a peut-être juste le mois de décembre qu'on a zappé. Enfin, on en a un au moins, je crois. Je pense qu'on a été vachement long pour celui de novembre, mais en même temps, c'était une masse. Une grosse page, une double page aussi. Donc... Mais merci princesse. J'avance. Poképhile. La deuxième page du fou, la page de Salamèche et Dracaufeu. Voilà. J'aime trop. Je les sors pas hein, parce que voilà, ça va être suffisamment long. Ensuite, dans celui-ci, j'avais fait dans le bloc message. Voilà, le bloc message. La reine de cœur, c'était pour Didi. Pardon, je me souviens. C'était pour Didi, j'avais mis du mois de poche dorée et tout sur du gesso noir. Ouais, gesso noir. La petite touch. Alors, ensuite, j'avais fait. Ça, c'était pour qui? J'avais fait une color palette. Je l'avais fait pour quelqu'un ou. Je crois que c'était pour Kili. Je sais plus trop. Mais j'avais fait la double page pour Nuxol. Voilà. J'avais aussi adoré la faire. Pourtant, c'est que des trucs redondants à faire. Mais moi, j'ai l'impression que je kiffe. Comme ça, j'ai mes crayons qui sont sortis. Et puis en avant Guingamp, quoi. Voilà, la vieille expression de Mathusalem. Ne me remerciez pas. Ensuite, dans le chef-d'œuvre, bah, j'ai fait le Winnie. Winnie et Jean-Christophe. Voilà, pareil que j'ai adoré faire aussi. J'ai vu, il y en a certains qui l'ont fait en bah, une personne. Je dis certains, mais je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a fait en version Noël. Chef-d'œuvre. Tu restes là? Alors. Ensuite, j'ai fait Stéphanie de Monaco. Non, Stéphanie tout court. Dans ce petit livre. Voilà, asiatique. Pareil, j'ai mis de la paillette. Dans celui-ci, vous avez les fonds qui sont généralement faits hein, déjà de base. Donc c'est cool. Ça fait vraiment des petits colos. Tranquille ou bilou. Je peux te ranger, toi, normalement. Ensuite, dans le 40 histoires d'amour, j'ai fait ce colo-ci pour. C'était pour Gaïoul, pour son thème musique. Voilà, donc les Aristochats, un fond à l'aquarelle. J'avais adoré faire le parquet. Je vous dis, il y a des choses reloues que j'aime bien. Et voilà pour le mois de mai. Ça se casse la gueule sur mon lit, c'est magnifique. J'ai des livres partout. Tout était rangé, mais je vais pouvoir re-ranger mieux, je pense, par Disney ou par classique. Et... Pardon, bref. Le mois de juin. Là, 20 colos, là, ça va être long. Oh là 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 là. On attaque, du coup, le mois de juin, le plus fourni de toute l'histoire du colo. Ça, j'ai... Alors, non. Donc, le Forest Kingdom. Même si le dernier que je vous ai montré, c'était du mois de... C'est pas grave. Ah, on n'est pas à ça près, hein. Qu'est-ce que c'est? L'arbre? Forest Kingdom, je pense que c'est celui-là. Ouais, toujours en duo avec Princesse, bien entendu. Hein. Pareil, j'ai adoré le faire.
Forest Kingdom. Ensuite, le grand carré portrait. Ben, on avait fait Jafar le cafard. Du coup, là, on a fait les... Hein? Je sais plus comment il s'appelle. Ben, oui, je l'ai pas noté, celui-là. Parce que là, c'est Mei Mei. Donc là, celui de mai, ben, je l'ai pas noté. Donc ça fait un coup en plus oublié. Voilà. Donc il y avait celui-ci en mai et celui-ci en juin. Voilà. Hop. Ensuite, coloriage wild. Celui-ci. Je sais pas dans lequel wild s'est tiré. Moi, j'ai les doubles de Taz. Taz m'a envoyé ses doubles. Donc, je sais pas dans lequel c'est, mais voilà. J'en ai pas refait depuis, n'empêche. Je ne pense pas à les prendre. Et ensuite, j'ai fait des deux spooky cutie. Voilà, je me suis acheté... voilà, ça sur en PDF, le Coco Audio. Je les imprime en ma 5. Ça a dû être fait en live, ça aussi. Et la petite ici. Voilà. J'avais kiffé, il faudrait que je m'en refasse. Après, il y avait la petite licorne, je pense. Voilà, les petites licornes de Chris Rignac. Voilà, ça aussi, on adore, les petits colos. Voilà. J'allais dire choupi, mais pas forcément choupi, hein, mais. Ensuite, le Blue Link, Luca, qui est... Luca, où es-tu? Sors de ta cachette. Luca, c'est le dernier que j'ai fait, je crois, je sais plus. Une fois que c'est arrivé à Rafiki, j'ai arrêté. Je me sentais pas de le faire. Donc voilà, il y a des paillettes, hein. Mon petit coco. Hop. Ensuite, le petit hamster dans le Fragile World que j'ai fait en duo avec Didi. Avec Diziac. Voilà. Oup. Ensuite, le bouquet dans le City Among the Stars. Le bouquet de fleurs. Celui-là, je l'avançais avec Natashley, mais bon, là, avec voilà, le mois de décembre, tout ça, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Du coup, on n'en a pas refait depuis un moment. Mais j'avais fait celui-ci. Bon, vous voyez, supervision, ma passion. Je vais le garder parce que je vais devoir le remonter, je pense. Chris Rignac, la patatose. Qu'est-ce que j'ai fait dans... Ma patate de Chris Rignac. Hello, ma patate. Bah, elle est là, ma patate. Non, un truc qui s'est mis sur mon colo, là. Pourquoi il y a un boule washi, je sais pas quoi, sur mon colo. Oh, c'est qui m'a collé ça, là? Voilà. Ma patate vers droite. Ma petite patate. Enfin, c'est un verre, hein. C'est pas une patate. Mais du coup, c'est le dernier dans celui-là, donc c'est bon, celui-là, je vais pouvoir. Oup, bye bye, ciao. Ensuite, dans le petit carré Loft Stories. Loft. Non, Love Stories, j'ai fait Hercule. Where Hercule. Voilà, Hercule et Megara. Je sais pas. Ah, toujours de la paillette, hein. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Dans le Mysteria, ensuite. Celui-là. J'en ai fait qu'un. C'était pour qui? Je sais plus. J'avais dû le faire pour quelqu'un, je pense. Il est beau. Il est beau. Ouais, il est beau. Oh, c'est moi qui ai rajouté l'effet bois en fond. Il n'y était pas. Ça va encore mon effet déjà, mon effet pierre, enfin je trouve. Ouais, ça passe. Ensuite, le petit carré Mickey. J'ai fait plutôt. Alors j'ai fait, voilà. Parce que la page de derrière, elle avait, comme je vous avais dit, ça avait bavé et tout. C'était tout bleu. Donc je me suis dit, poup, je vais faire un plutôt tout bleu. Voilà, un monochrome.
On s'en fout, c'est pour se détendre. Ensuite, le Dunkelbent. J'ai fait un colo en live. Celui-ci. Ensuite, dans le bébé animaux, j'ai fait c'est qui le coco lapin. Voilà. Dans le petite bête, j'ai noté papier peint, donc je pense que c'est celui-là. La flash. Ça, c'est la opéra. Palette opéra de Paul Rubens. Voilà. Avec des luminances, je pense. Ensuite, le troll dans le mythe et légende. Donc je me dis que ça fait déjà depuis le mois de juin que je l'ai. Ah, il a été fait en partie en live. Je m'étais bien amusée pour les nuages. Le bordel. Ensuite, dans le petit carré Winnie. Petit gros, il est où? On se l'avait plus lui, petit gros. Dans le bloc vie sauvage, j'ai fait Dingo avec Donald au camping. Enfin, là, j'ai franchement l'effet, là, j'ai complètement si moche. Voilà. Chris Rignac, c'est quoi? Je l'ai pas. Ah, c'est peut-être dans celui-là. Je l'ai eu quand? Je l'avais déjà eu en juin, ça? Il n'y a pas de date? Il n'a pas noté? Non, il n'a pas noté. Il me l'a envoyé. Je sais que j'en ai fait deux dans celui-là. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps et j'avais fait. Le papier est trop épais, madame. Voilà. Je ne trouve pas mes colos dans ce truc. Ça, c'est le dernier que j'ai fait, donc c'est pas lui. Mais je sais que j'ai fait un autre avec les Black Edition. Je suis seulement en train de faire le nuancier, d'ailleurs. Il est où, ce colo? Il est où, le colo? Il est où? Il est où? Il est où le colo? Il est où? J'aimerais bien. Il est là. Eh. Voilà. Oh là 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 là, la transition de folie. Je vais péter un câble. Je vais faire une pause. Cette vidéo, c'est pas possible. Je la finirai demain. Je vais péter un câble. Voilà. J'avais fermé mon truc avant que ça soit fini de sécher. Donc il a un œil un peu chelou. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ensuite, dans le grand classique tome 4, j'ai fait Mickey et j'ai détesté. C'était avec quoi, les Hobos? Enfin, mon effet or est vraiment... Enfin, mais c'est les teintes qui donnent, quoi. Ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc, bah, il est dégueulasse. Voilà, la couronne est dégueulasse. C'est avec les Hobos. Et peut-être avec les Brutunor Square, mais bon, je l'ai bâclé. J'en avais marre. Et puis j'aime pas quand ils mettent les traits dans les zones blanches, c'est blanc, tu laisses blanc, quoi. Bref, merci à chez Thibaut, encore une fois. Merci à vous. Bon, je vais arrêter, hein. Voilà, je vais arrêter le truc là, et puis je reprendrai plus tard, hein, parce que là, je vais aller manger. Voilà. A tout de suite pour vous. Mais beaucoup plus tard pour moi. Alors, on attaque juillet. Le défi de Gaël. Dans le 47 sous l'océan. Je viens de manger un. Hein. Je bois du Orangina, du coup, ça. Voilà. J'avais fait celui-ci. Hop! Dans le Milan Mascarade, vase,
Ben non, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je m'étais trompée. C'était pas celui-là que j'avais fait, c'était un autre. Fleurs, fleurs, fleurs. Des fleurs. Tout à l'heure, c'était censé être des fleurs. Ah, c'était celui-là. Voilà, donc je m'étais trompée. Oh là là. Une feuille qui colle. Donc, en fait, c'était celui-là que j'avais fait au mois de mai. Et au mois de. Non. Au mois de juin et celui-ci au mois de juillet, du coup. Voilà. Voilà. Ensuite, Pokéfil, la page Carapuce. Hop. Ensuite, bah après Mei Mei, c'était quoi? Alice. J'ai saut noir, hein, toujours ma passion. Pampan dans le petit carré portrait. Où es-tu? Pampan? Es-tu là? Pampan. Voilà. Dans le City Among the Stars, la lanterne. Ah, oui, les lanternes avec Natashley du coup. Et j'avais fait celui-là juste derrière. Voilà, j'avais fait la double page du coup. Tant qu'à faire un fond, autant y aller à fond. Waouh, ça rime. Pardon. Ensuite, dans le On rentre du boulot, j'ai fait des nains. Il paraît. Moi, bon, ma mémoire, on s'en souvient plus trop. Ah oui, avec le tour, là, dégueulasse. Je comprends pas ces trucs-là. Là. Mais enlevez-moi ça. Ça a été tellement mieux sans, franchement. Non, trouvez pas? Hop. Ça glisse, on a partout. C'est génial. Ensuite, l'enluminure. Les enluminures où j'en ai fait un seul. Voilà, en duo avec Taz, c'était pour Kili, me semble-t-il. Voilà, j'avais recréé un serpent derrière, mais la création est pas ouf. Hein. Voilà, c'est. Voilà. Je suis plus satisfaite de mon effet. Les textures, voilà. Donc, je vais longer celui-là parce qu'il est lourd et je veux pas le. Voilà. Oups là. Ensuite, dans le Serenity de Anastasia Likoldareva, j'ai fait la petite japonaise. Ça. C'était une roulette de Kalina et je devais l'envoyer à Di et je l'ai jamais envoyé, je crois. Pour le thème bah, Japon. Voilà. Hop. Ensuite, dans le cercle de la vie. Voilà, toujours pour Didi. Pour le thème du Japon. J'ai fait les pirogues. La pirogue. Voilà, avec du gesso noir, bien entendu. Voilà. Ensuite, dans le Vodoni Nature, j'ai fait Winnie. Alors, il date de quand celui-là? Ah non. C'est ma sœurette qui l'avait choisi, je crois. L'aime bien. Faut le dire, hein, quand on est content de soi. Voilà, faut le dire. Ensuite, j'ai fait Jasmine du Fairy Tales d'Annie Coloring. Voilà. Jasmine. Voilà. Je vais te laisser sur le côté aussi. Ensuite, le Pokéfil. Donc, la quatrième page. Voilà, c'est là aussi. C'est le là. Puis, le poulpe avec Tazounette et Kalina. Nous avons fait Ankh. Ankh, où es-tu?
Hello. Voilà. Bon, allez, je refais la pile pour le mois d'août. Pour le mois d'août, on a le City Among the Stars et là, c'est la boutique. Voilà, c'est celui-ci. Je refais avec Nat. En duo. Toujours supervision. Voilà. Ensuite. C'est bizarre, j'ai pas noté de. Non, je l'avais fait à la fin du mois pour être tranquille. Ensuite, le portrait de Star, celui-là, il est super grand. C'est. Voilà. Donc j'ai fait. Audrey Hepburn. Voilà. C'est très très grand, pas gros. Ensuite, dans le Pop Manga Dragon, Dragons and Other Magical Mythical Creatures, on a fait. Enfin, non, j'ai fait les yeux. Voilà, cette page-là. Et du coup, bah, peu de temps après, j'ai fait celui-ci. Donc, je vous le montre maintenant, comme ça, c'est fait. Celui-ci, je l'avais fait pour le thème de la mer, pour Gaël. Gaël Katsu. Twitch, n'hésitez pas. Hop. Supervision, bonjour. Hop, écoute, je peux te mettre là. Donc la maison Champi dans le Forest Kingdom. Donc là, c'est avec Princesse. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, dans le Bodoni méchant, j'ai fait Scar. Dans le Fantasy and Fairy Cuties de Derya Sakirsoy, j'ai fait une journée à la fin, je crois. C'est celui-ci. J'aurais dû rajouter du glossy sur les verres de la lunette, de la paire de lunettes. Ensuite, dans le Luna de Maria Troll, j'ai fait la petite japonaise pour Didi pour le thème Japon. Ensuite, dans le Girl with Poem, j'ai fait. Celui-ci. Donc après, c'était la sirène que je vous ai montrée dans le dragon. Dans le petit carré bébé animaux, j'ai fait Timothée, la petite souris de Dumbo. Voilà. Celui-ci. Ensuite, dans le Hey Paul, je ne sais plus combien c'est. Bref, celui-ci, je ne l'aime pas. J'ai fait de l'aquarelle dedans, alors que j'aurais pas dû. Le papier n'est pas fait pour ça. Donc, j'aime pas ce que j'ai fait. J'aime pas. Et enfin, j'ai fait. Mowgli. Ah ouais, je me souvenais plus. J'ai fait Mowgli dans le grand carré Babies. C'était une roulette. Donc je l'ai fait sur Twitch celui-ci. Je suis pas fan de mes. Ah, puis ça colle. Ah oui, c'est du pastel gras. C'est pas joli. Pour enlever les nuages. Enfin. Donc voilà pour le mois d'août. Du coup, il y a un peu de septembre et un peu d'octobre, hein, je pense. J'ai pas mis des dates, j'ai pas mis les dates dans mon carnet, donc je sais pas. Donc dans le Summertime, j'ai fait Ariel. Ah, voilà, elle est là. L'enfer. Nina Mascarade.
J'ai fait l'éventail. Ah bah c'est cela, double page tout à l'heure. Ça collait là. Ça colle toujours. Merci le feuille. Celui-ci, toujours en duo avec Princesse. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Hop, ensuite le Pokéfil. Donc là, ça va être la page ici. Je sais plus comment il s'appelle. Roucoule. Ensuite, dans le carré. Alors, après Alice. Bah, je l'ai pas noté celle-ci. Parce que là, je passe à Bambi. Donc, il y avait celle-ci entre deux. Hein, pareil, que j'avais pas noté. Donc, Bambi. Ensuite, dans le petit pet, j'ai fait la page des abeilles et je l'adore. Voilà. C'est un de mes colos préférés de cette année. Enfin, de l'année 2023, du moins. Parce que là, on est en 2024. Hein. Enfin, voilà. C'est un de mes colos préférés. Celui-là, il y a Scar que j'aime bien aussi. Ensuite, ah, là, il y avait Blanche-Neige aussi. Ça. Donc, il y a Blanche-Neige. Après Bambi, voilà. Ensuite, un duo avec Taz. Dans celui-ci, je ne sais plus lequel c'est. Le titre. Celui-ci, focus, merci. Hop. Ensuite. Donc Chris Lignac, j'ai fait les petits prout-prout. Bah non. Bah, je vous l'ai montré. J'avais dû en faire un autre. Ah oui, je l'ai donné à la maîtresse. Voilà, donc les prout-prout, vous l'avez vu, mais voilà, je l'avais donné à la maîtresse. J'en avais fait un et ouais, je l'ai donné à la maîtresse, donc je ne l'ai plus. Voilà. Il arrive des fois. Je sais pas si elle a kiffé. Du coup, la momie dans le Cute and Creepy, c'était un duo avec Taz. Je sais pas noter, mais c'est un duo avec Taz. Donc, je l'ai suivi, elle avait commencé, je l'ai suivi. Ensuite, dans le Nounours Therapy, un duo avec Cassie. Hop, celui-ci. Et je l'avais envoyé pour le défi. Cocooning de Dysiaque. N'oubliez pas, il y a de la paillette, hein, bien entendu. Ça brille. Ensuite, dans le Winnie, pareil pour Dysiaque, je lui avais envoyé celui-ci. Dans le bébé animaux coloriage teens. Voilà. Celui-ci. Je vous refais une pile et j'arrive. On arrive au bout. Alléluia, plus que 2 mois. Hein? Ouais, on arrive. Hein? Voilà. Alors, c'est le mois de novembre, je pense. Sorcière mignonne. Ça doit être celle-ci. PDF que j'ai acheté sur Etsy, c'est du AI. Tchouk. Ensuite, Bodoni Nature, mon dingo. Où es-tu, mon dingo? Ça le... Mon dingo, ça c'est un de mes préfs voilà, de l'année 2023. Un dingo. Je vais m'éclater à tout ranger, puis il va falloir que je me dépêche parce que je commence le live après. Voilà, c'est génial. Ensuite, du coup, aux confins du cosmos, pour l'explosion de couleurs de Gaïoul, j'avais fait celui-ci. Voilà. Suis en train de faire une pile. Si elle tombe, je vais mûrir. Ensuite, j'étais allée dans le C'est la fête. Et j'avais fait Navine et
Shanna, j'aimais pas le fond que j'ai fait. Voilà. Je suis toujours pas. Les fonds de nuit, c'est pas. Et je sais plus si je l'avais envoyé ou pas. C'était qui faisait un thème nuit? Je sais plus, ça se trouve, je l'ai laissé dans ma tête que j'ai fait un thème nuit, je sais pas. C'est possible. Tout est possible avec moi. Alors ensuite, un tout petit colo dans le Hatsanstuga, j'ai fait la contorsion. Voilà. Je sais plus où les mettre. Ensuite, dans le petit bête, j'avais fait le renne, color collant, pour avancer le livre. Les moches de base, le color. Voilà. J'ai essayé de l'arranger. Hein. J'ai essayé. Ensuite, j'ai fait du coup. Voilà, Zootopie. Dans l'histoire éternelle. Les colos, vous les retrouvez normalement dans les replays de live. La plupart, je les ai fait en live, hein, franchement. Ensuite, c'était quoi? Les Pikachu? Ouais, c'était Pikachu. Voilà, Pikachu Raichu. Ça, je connais. Ensuite, dans le grand carré, grand classique, j'ai fait la page de Peter Pan. Ah, Peter Pan. Voilà. Je sais même si je l'aime bien. Je vais mettre par là. Hein. Ensuite, mon T-Rex dans le Colormurphia. Ça, je sais pas si c'est pas mon préf. Voilà. Je sais pas. Mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Voilà. J'avais peur parce que bah, c'est une roulette de cassis, ça. Voilà. Voilà. J'étais pas partie pour ça. À la base, j'aurais voulu faire le renard ou je sais plus ce que je lui avais proposé, mais non. Mais le Kirin aussi, je lui avais proposé. Non plus, non, on les voit trop. Ouais, d'accord. Ok. Merci, Cathy. Mais ouais, j'ai kiffé le faire. Ensuite, dans le portrait, bah, après Blanche-Neige, bien grincheux. Puis, dans le Mickey Donald & Co, on voit pas beaucoup de mystère, hein, du coup. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait. Voilà, la mini Daisy, là, je sais pas comment elle s'appelle. La nièce de Daisy, voilà. Voilà, je vais chercher les tout derniers, la dernière pile, allons y croire. Allez, vous voyez le bazar sur mon lit? Non, juste comme ça. Bon. Donc, le mois de décembre, on arrive au bout. Dans le Wildflower Folk, j'ai fait celui-ci en live. Voilà. Pareil, je crois que c'était une boulette. Mais comme je ne les ai pas notés, le mois de décembre, je crois. J'en ai noté très peu. Bon, je peux noter. Donc, bon. Je l'aime bien. Bon. Ensuite, Minan Mascarade, bah, c'est lequel? Bah, c'est la dernière page, je crois. C'est la dernière double page qu'on a fait avec Princesse. Ça nous a pris. Enfin, moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Quoique. Pareil, fait en partie en live. Ensuite, le Witches. J'ai fait celui-ci en live aussi. Donc, c'est le Witches de Coco Wayo. Donc, moi, je l'ai pris en PDF aussi. Et imprimé en A5. Ensuite, dans le Vintage, j'ai fait un colo de Noël. Il est fou. Oh, il est là. Ah, colo de Noël. Pareil, fait en partie en live. Ensuite, le Pokéfil, du coup, c'était. Comment il s'appelle? Le là. Voilà.
ensuite, le couple dans Derrière Kirkoy est un bel. Hein, voilà, c'est ça Kirzoï. Kirzoï? Color roulette encore de Cassie. Voilà. J'ai enfin utilisé un pochoir. Voilà. Ensuite, on est re... Non. Après, voilà. Là, on a Cendrillon. C'est la dernière. Avec Grincheux, Cendrillon. Ah oui, ce mois-ci, on doit faire ça. Magnifique. Cendrillon. Puis de nouveau le Pokéfil. C'est pas lui, c'est l'avant-dernier que j'ai fait. Bah oui, j'en ai un que j'ai pas noté encore. Je l'ai fait là, je suis en avance. Ah oui, non, c'est pour le mois de janvier. Je l'ai pas noté. Je sais plus si je suis à jour, si je suis pas à jour. Non, je crois qu'il faut. Non, ça c'est celui de novembre. J'avais du retard. Mais du coup, après, j'ai fait celui-ci. Et ce mois-ci, normalement, il faut faire celui-là, je crois. Normalement, je le vois. Je dis bien normalement. Ensuite, j'ai fait un marque-page. Il est là. Marque-page dans le vintage. Voilà. Pareil, fait en live. Voilà. Ensuite, le clip, celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait celui-ci. Avec les Black Widow, je crois. Ça. Et le dernier. Le dernier! Mais pas des moindres. La fameuse licorne. La liconasse. Voilà. La licorne. Dans le grand classique portrait. Voilà. Donc voilà pour mes colos du mois. Du mois, non. Écolo de l'année de l'année 2023. Je vais pouvoir ranger tous mes bouquins. Ça. Il faut que je me bouge. Parce que il est déjà 34. J'attaque le live à 14h. Allez, force à moi. Je vais ranger mes bouquins. Je vais re-ranger mon bureau. Mais surtout mon lit. Hein. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je referai cette vidéo l'année prochaine, clairement, parce que c'est niveau logistique, c'est un peu compliqué. Hein. Parce que bon, en même temps, vous les avez, si vous regardez les vidéos des colos terminées par mois, même si, bah, comme je me suis aperçue, il manque octobre, novembre ou un truc comme ça, ou le septembre. Enfin, il manque 2 mois, il me semble. Je vais essayer d'être un peu plus assidue cette année. Donc voilà pour mon bilan, mais voilà, c'est que du positif. Voilà, j'ai évolué, j'ai glow up, comme disent certaines. Mais je fais toujours ça uniquement par plaisir et passion. Hein. C'est mon but principal. Donc moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon colo.